Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Bonjour. Et ça fait chaud au cœur de vous voir. On aimerait ça que ce soit plus rempli hein, de ce temps-ci, mais on comprend les circonstances. C'est pas les meilleurs temps qu'on a eu en assemblée là, avec les cantiques. On se rappelle là, ce qu'on a déjà eu, là, c'est autre chose. Hein. Mais le Seigneur est dans nos vies, puis je pense que et c'est clair que de se rassembler ensemble, c'est selon la volonté de Dieu. Et se rassembler ensemble, c'est comme si monter en haut, ça. Ouais. J'ai essayé d'être moins fâché cette semaine pendant la prédication. La semaine passée, c'était un peu intense. Mais des fois, l'esprit conduit comme ça. C'est correct. Il y a des choses qui viennent nous chercher un peu plus. Mais c'est ça, prêcher. En fait, quand tu vois dans les Écritures, quand que ça prêche, des fois, tu vois même que Jésus crie, il lève la voix quand il prêche. Donc, c'est plus d'émotion dans une prédication que dans un simple enseignement. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait la blague de Jésus crie. John Platt. J'aurais jamais osé. C'est un jeu de mots. On a le toit est fait. La gloire à Dieu, le toit, le bardeau s'est posé, tout, c'est fini, le chèque est donné. Aussi, on a, par la grâce de Dieu, on avait fait venir un type pour nettoyer la thermopompe. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. La thermopompe, puis le filtre qui était là, qui était un filtre permanent, était fini. Puis il nous a mis dans le prix un filtre temporaire. Mais ces filtres temporaires-là, on doit les changer plus souvent. Le filtre permanent, ça le dit. Il m'avait donné les mesures de filtre, puis en étant sur Marketplace, là, sur l'application de Facebook, j'ai trouvé quelqu'un qui, à Granby, vendait ces filtres-là, 11 filtres, pour complètement une bouchée de pain par rapport au coût que ça devrait être. Donc, pour 100$, on a eu 11 filtres, qui valent environ peut-être dans 16-17$ du filtre habituel. C'est exactement les dimensions qu'on avait besoin, que la boîte est en bas. On a Dieu pour ça. Est-ce que j'oublie des choses? Des choses que. Parfait, excellent. Donc, encourageons-nous les uns les autres à venir. Si on a le droit jusqu'à 25 personnes, on n'est pas. Je pense qu'il n'y a pas de la place pour d'autres qui peuvent venir, qui sont membres d'église, puis qui ne sont pas certains s'ils devraient. Puis peut-être qu'il y en a qui ne le font pas parce que justement, ils ont peut-être crainte de s'imposer dans le culte, je ne sais pas. Mais encouragez. Faites des appels cette semaine, encouragez vos frères et sœurs à venir faire leur tour ici dans la maison du Seigneur. Le titre du message, mettre en pratique. 10e de la série. Et on va regarder commencer dans le chapitre 1 de Jacques, verset 25. Ah ouais, ben oui. C'est donc bien bon. Ouais, moi ça, tu sais ça. Comment ça, tu sais ça? Ça dit là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il y a celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas quoi un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, quand il se met à l'œuvre, activité, il va être heureux dans ce qu'il fait parce qu'il n'est pas un auditeur oublieux. Donc, on va prier. Merci Seigneur de nous rassembler ici. Merci Seigneur que le toit, on a prié pour ça, donc une chose accomplie. Seigneur, merci pour vos bontés, merci pour votre miséricorde et votre grâce. Seigneur, je prie que vous puissiez nous donner aujourd'hui des oreilles pour entendre, puis un cœur réceptif, puis c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Bon. Oui, être attentif. C'est un message qui, moi, vient me chercher un peu plus. Il y a des choses... qu'on va se faire rappeler à travers ce message-là. C'est comme des choses qu'on sait déjà, mais encore une fois, que le Seigneur veut nous rappeler. Donc, je résume, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la foi, qui est la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Donc, vous allez voir que la Bible est extrêmement constante et conséquente. En passant, une des bonnes méthodes d'obtenir une bonne interprétation biblique, c'est d'examiner les constances bibliques. Des choses, des fois, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont bâties sur un verset seulement, mais qui est inconséquente, mais cette doctrine-là qui est bâtie avec un verset seulement est inconséquente avec le reste des Écritures qui se rapportent au même sujet du verset. Donc, il y a des choses comme ça qui sont faites.
Encore une fois, ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'abri. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi que c'est une bonne méthode? Parce que ça nous dit d'observer les constances bibliques, parce que ça nous dit dans Jacques, au verset 17 du chapitre 1, chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est une bonne chose d'observer les constances pour arriver à une bonne interprétation des Écritures. Donc, lorsque la parole de Dieu établit une chose qui est claire, souvent celle-ci devient un modèle, un genre de patron. En anglais, on dit un pattern. Quasiment en québécois aussi, on l'utilise pas mal, le terme. Quand Dieu nous dit que l'humilité vient devant la gloire et que l'orgueil précède la chute, tu peux prendre des notes, que sauvé ou pas, sous la grâce ou pas, ça va arriver. C'est une constante. Il y en a qui pensent que sous la grâce, j'ai eu des conversations avec des croyants, croyantes, qui pensent que sous la grâce, si tu demandes pardon à Dieu, il n'y aura pas de châtiment. Ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai demandé pardon à Dieu, puis je me suis repenti. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sans conséquence. Proverbe 3, verset 11. Ça dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Il y a des conséquences. « Il ne t'effraie point de ses châtiments. » Il y a des conséquences. « Car l'Éternel châtie qui? » Celui qu'il aime. « Comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y en a qui pensent ça. Mauvaise théologie. Ancien Testament, Nouveau Testament, on est des enfants de Dieu. Si on a confessé Christ, on est sous la grâce, justement. Donc, si nous avons confessé Christ, nous sommes donc maintenant co-héritiers avec lui. Nous pouvons donc maintenant crier « Abba, Père », les références dans Galates 4, 6 puis Romains 8, 15. Quand David a commis l'adultère avec Bathsheba, puis qu'il a fait tuer son mari, parce que ça n'a pas juste été juste l'adultère, il a eu beau se repentir, jeûner, prier, le sac, la cendre, mais il y a quand même eu des conséquences. Puis comme conséquence, il y a un grand trouble, exemple, dans sa famille, dans son royaume, chez ses épouses. Sa vie a été en danger, puis de ses enfants sont morts. Combien de ses enfants sont morts? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Combien? Un, deux? L'enfant qui l'a eu avec trois enfants qui sont morts. Qui? Amnon, qui a été tué par Absalom. Absalom, il est mort, mais c'est qui le troisième? Le troisième, c'est le premier. C'est le bébé. C'est le bébé qui est mort, le bébé de Bathsheba. Pourtant, David, c'est un homme de foi sauvé par la grâce de Dieu. Car David dit lui-même, dans ces circonstances-là, dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de mon salut. » Donc, David, qu'est-ce qu'il dit quand il s'exprime ainsi? Il dit, « Je sais que je suis sauvé, mais à cause de mes transgressions, il y a des châtiments. Là, j'ai perdu la joie de mon salut. J'ai pas de fun. » Mais c'est à cause du châtiment? Non, c'est à cause de tes péchés. Il y en a un qui vient avant l'autre. Hein? Oui, mais ça, c'est encore un exemple de l'Ancien Testament. Ah, bon sang. Oui, mais on vient de voir que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il va toujours avoir des conséquences à nos actes, et ce, parce que Dieu nous aime. C'est fou, hein? Parce que Dieu nous aime, il nous châtie. C'est justement parce qu'on est ses enfants qu'il y a des conséquences. Donc, voici une fameuse exemple de la constance biblique dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux. Pas mal dans le Nouveau Testament, ça, Hébreux. Hébreux 12. Oui, mais je me suis repenti, Dieu m'a pardonné, là, il n'y aura pas de conséquences. Non, il va y avoir des conséquences quand même. Hébreux 12, 6, et c'est le signe que tu es un enfant de Dieu. S'il n'y a pas de conséquences, c'est que tu es un bâtard. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hébreux 12, 6, « Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ça, c'est nous autres, ça. Ceux qui ont confessé Christ sont fils de Dieu. C'est un privilège d'être appelé fils de Dieu. N'est pas
fils de Dieu, toute créature de Dieu. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc un enfant illégitime, un bâtard. C'est l'autre terme, c'est la définition de. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, il va parler de l'esprit, parce qu'il parle de, quand il parle de la chair, il va faire une allusion à l'esprit, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Un peu? OK. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord quoi? Un sujet de tristesse et non de joie. Rends-moi la joie de mon salut. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été aussi exercés dans une discipline, un fruit paisible de justice. Donc, voyez-vous maintenant que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Hébreux 13, 8, là, on était dans Hébreux 12, là. On va aller dans Hébreux 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, juste avant de partir sur ce sujet, je vous expliquais que c'est important de suivre les constances bibliques et d'arriver pour arriver à une saine interprétation. Je vous disais que lorsque la parole de Dieu établit une chose claire, souvent celle-ci devient un modèle, un patron, un pattern. Je viens exactement de vous démontrer ce genre d'exemple sur le fait que Dieu châtie ses enfants. C'est une constance biblique. C'était le même dans l'Ancien Testament, c'est encore le même aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Encore une fois, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la foi, qui est la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas quoi un auditeur oublieux. Pourquoi est-ce que Jacques parle ici de plonger ses regards? Puis retenez ce que je suis en train de dire. Quand il parle de plonger ses regards, c'est allusion à la vue. Et qui ramène ça à Louis, tout de suite après, disant, n'étant pas un auditeur oublieux. On va aller voir ça. On va regarder à ça. Mais souvenez-vous et retenez ceci. La Bible est appelée la parole de Dieu. Puis dans ce livre sont inscrites ou écrites les paroles de notre Seigneur. On est d'accord? Allons donc voir le contexte dans Jacques. Donc, contexte du texte qu'on utilise depuis les 10 derniers messages. Jacques 1, 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Donc, on a parlé de ça. J'avais mercredi, c'est mercredi qu'on a parlé que quand tu as un don, ton don vient d'en haut, il vient du Père des Lumières. Là, il parle de lumière, fait qu'il va parler d'ombre. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La lumière n'a pas d'ombre. C'est-tu vrai ça, Olivier? Oui. OK. La lumière n'a pas d'ombre. Il nous a engendrés. Pourquoi il nous a engendrés? Pourquoi on peut utiliser le terme engendrés? Parce qu'on est des fils et des filles de Dieu. C'est pas juste, on n'est pas juste des créatures. De créatures, on est devenus fils et filles. OK? Selon sa volonté, mais comment il le fait? Par quoi? Par la parole de la vérité. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voyez-vous que pas toutes créatures sont fils. Mais sont fils, ceux qui sont engendrés par la foi. Par la parole de la vérité, par le moyen de la foi. Verset 19, sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que, écoutez bien, ainsi, regardez le contexte intéressant, ainsi que tout homme soit prompt à quoi? À écouter. Mais si tu es prompt à écouter, tu vas être lent à parler. Mais une chose qui est importante, sois lent à te mettre en colère. Mais pourquoi qu'il fait référence? Pourquoi qu'il dit ça là, là? Est-ce possible que parfois la prédication de la parole de Dieu ou la perspective d'un frère ou d'une sœur en Christ
qui viennent nous chercher puis nous fâchent. C'est pour ça qu'il dit ça. J'espère que oui, que c'est possible, puis j'espère que ça arrive. Mais voici ce qu'il dit par la suite. Il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, est lent à te mettre en colère. Sois prompt à écouter. Et des fois, tu vas avoir une conversation avec un frère ou une soeur dans le Seigneur, puis la personne amène une perspective, t'amène une perspective, t'as pas le temps de finir ta phrase. L'autre est déjà grimpé d'un rideau. On peut avoir une discussion sans, tu sais, respectueuse, s'il vous plaît. C'est réellement québécois, ça, là. Non, c'est de toute nation, je pense. Je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que c'est juste humain, mais trop charnel, c'est pas assez spirituel. Tu sais, quand on a l'expression, nous autres, Dieu t'a donné deux oreilles et une bouche, écoute deux fois plus que tu parles, bien, c'est ça qu'il dit, là. Sois prompt à écouter, lent à parler. Laisse l'autre finir. Sinon, ça en est juste de la confusion. Tu n'as même pas entendu tout ce qu'il avait à dire. Mais une chose par-dessus tout, sois donc lent à te mettre en colère. Compte-toi pas trop vite. Parce que tu pourrais avoir tort. Car la colère de Dieu, de l'homme, pardon, n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetant, il a quoi qui parle quand il va dire ça? C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, il parle de la colère de l'homme. Recevez avec colère. Non, c'est marqué recevez avec douceur. La quoi? La parole. Oui, mais c'est la parole de Dieu, mais elle ne fait pas ton affaire, mais ça ne change pas que c'est la parole de Dieu. Pareil, même si ça ne fait pas ton affaire. Il y a une perspective qui est biblique, là. Sois donc, écoute donc. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Écoutez bien ce qui suit, verset 22. Mettez en pratique quoi? La parole. Ne vous bornez pas à quoi? La lire? Non, à l'écouter. Vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Là, il parle d'avoir une discussion, d'entendre quelqu'un qui te parle de la parole de Dieu. Là, il ne parle pas d'essayer de te faire une compréhension tout seul chez vous. Là. Il y a comme un sujet, il y a une discussion. Là. Donc, ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça, c'est quelque chose à quoi on fait face. Quand tu prêches ou quand tu enseignes, des gens ont des faux raisonnements. Oui, mais ça fait 20 ans que je me fais enseigner d'autres choses. Oui, mais c'est un faux raisonnement. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas de la faute de la personne qui te prêche ou de la personne qui t'amène sa perspective. Si ça fait 20 ans que tu as un faux raisonnement, on va juste regarder ce qui est écrit et on va laisser Dieu dire ce qu'il dit. Puis j'ai baptisé ça le syndrome de la terre plate. Oui, c'est un syndrome, moi. Parce que ceux qui croient, parce que là, écoute, on est à l'ère de l'information, on a envoyé du monde dans l'espace, là, on a des satellites qui orbitent autour de la Terre, mais il y en a qui pensent que la Terre est plate présentement, là, on retourne là. Parce qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate, mais ceux qui croient que la Terre est plate, pour arriver à ça, ils sont allés fouiller, là. Puis le syndrome est le suivant, c'est qu'un coup que tu crois que la Terre est plate, c'est comme impossible de revenir dans ton bon sens puis de comprendre que c'est un globe. Dans la Bible, nous en parle, on parle du cercle de la Terre, puis quand tu regardes, le sens du mot, ça parle d'un globe. Tu emmènerais ces gens-là dans une navette spatiale, tu les ferais faire le tour de la planète, ça serait encore impossible pour eux autres de croire. C'est le syndrome de la Terre plate. Tu es juste pris dans ton raisonnement, puis tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Ouais, c'est de l'orgueil, exactement. Puis il y a plein de ça dans la chrétienté au sens large. J'ai bien de la connaissance, ça fait des années que j'accumule de la connaissance, puis tu m'amènes une nouvelle perspective, je break là. Ça ne peut pas être vrai. Oui, mais je le vois dans les Écritures, là. C'est écrit. Oui, mais comment je peux défaire ça pour ramener ça? Ce que moi, je crois, ce que je crois depuis 15 ans, 20 ans. Ou, encore pire, les enseignants, ceux qui vont enseigner. Oui, mais c'est parce que j'ai un doctorat en théologie. Oui, mais c'est pas bon ce que tu enseignes parce que c'est pas ça que la Bible dit. Oui, je le vois, là, tu as raison, là, mais c'est parce que ça fait 20 ans que j'enseigne ça à mon peuple. Ben, t'as juste allé le voir et lui dire que tu t'es trompé. Puis qu'on repasse des meilleures bases. C'est pas compliqué là, comme concept. Le syndrome de la terre plate. Donc, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça fait pas ton affaire ce que tu entends comme prédication. Ça te fâche. Deux, mettons,
Tu essaies de te justifier dans ton raisonnement pour ne pas te soumettre à l'Esprit Saint. Verset 23. Car si quelqu'un lit tout seul chez eux, c'est ce qui est écrit. Ça dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Ah! C'est ça, quand j'ai posé la question, à quoi, pourquoi il parle de Louis puis il ramène ça à la vue au verset 25? Ah, c'est de là que ça vient, la métaphore de plonger ses regards dans le verset 25. Si quelqu'un, il est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, encore la métaphore du miroir, s'en va et oublie aussitôt qui il est, quel était. Verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards, donc on parle toujours de la métaphore du miroir, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas quoi? Un auditeur prompt à écouter. Un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, résumons les points saillants. Engendré selon la volonté par la parole de la vérité, verset 18, que tout homme soit prompt à écouter, verset 19, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, verset 21, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, verset 22. Si quelqu'un écoute la parole, verset 23, n'étant pas un auditeur oublieux, verset 25, donc voyez-vous la constance dans ça? Et parole, écoute, parole, écoutez, parole, auditeur, prompt à écouter. Ça revient tout le temps. Fait que t'écoutes quoi? T'écoutes la parole. Donc, c'est pas par accident que Jacques a écrit ça. Quelle était la fonction de Jacques dans les Écritures? C'est un apôtre. Quel était le ministère des apôtres? On va aller voir. Acte 6. Acte 6, verset 2. Ça dit, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit saint, plein de l'Esprit Saint, pardon, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'était quoi le ministère des apôtres? S'appliquer à la parole. Fait que leur ministère était celui de la parole de Dieu, puis ça englobe essentiellement deux choses. Un, c'est l'étude de la parole. Puis deux, bien, c'est le partage de la parole, dans l'enseignement, puis la prédication. Donc, lorsque les apôtres partageaient les résultats de leurs études ou de leurs inspirations par l'Esprit Saint, de quelle façon le faisaient-ils, vous pensez? On va aller voir. On va regarder, voir comment ça se passait dans une assemblée. Fait que regardons un exemple du partage de la parole dans une assemblée, dans Luc 4, au verset 14. Ça dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit sur tout le royaume de l'entour. Quoi? Enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Fait que là, tu dis, il va faire la lecture au monde. C'est quoi? Parce que les autres ne savaient pas lire. Non, mais c'était sa coutume. La coutume de notre Seigneur Jésus. C'est ce que ça nous dit. Verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Attends là, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va lire à haute voix, assez fort pour que les autres entendent le prophète Ésaïe, dont le livre est répertorié dans quoi? Dans la parole de Dieu. Verset 18. Il dit, il lit, puis c'est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est drôle, revient donc bien souvent cette histoire de captifs-là dans les dernières prédications. Pas remarqué? C'est qui les captifs? C'est nous autres. Aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tu sais, je prêche, puis je vous ai dit que la grâce de Dieu était de tous les temps. Mais l'ère de la grâce, des fois, on va dire, mais l'ère de la grâce, c'est vraiment juste avec le sacrifice. Après le sacrifice de Jésus, certains vont dire que c'est après la Pentecôte, puis c'est avec l'ère de l'Église. Puis... bon, regardez ça. Moi, qu'est-ce que Jésus dit de ça, lui? Pour proclamer aux captifs une délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Écoutez bien ce qu'il a fait. Alors, il commença à leur dire. Fait qu'il a lu, après ça, il lui a dit quelque chose. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Pas dans 3 ans, quand je vais être mort puis ressuscité. Là, tout de suite. La grâce. L'aide de la grâce, live. Commence. Donc, je résume l'exemple que notre Seigneur nous a laissé. Tout là, je vais en venir. Ainsi qu'à nos frères les apôtres. Donc, il a laissé un exemple, Jésus. 1. Il va dans un lieu de rassemblement. 2. Il lit à haute voix un passage d'Écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puis 3. Conduit par l'Esprit, parce que ça nous dit que Jésus conduit par l'Esprit, il prêche et enseigne la vérité. Parce que ce n'est pas le patron qu'on a vu. Je vous ai parlé tantôt qu'il y a des modèles, des patrons, des patterns. Est-ce que c'est ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, aujourd'hui? On vient à l'église, ou en église, autrement dit, on se rassemble, ensemble. Quelqu'un que l'on souhaite être rempli du Saint-Esprit vient en avant, il ouvre les Écritures, il utilise un passage de la parole de Dieu, puis à partir de ces passages, bien, il prêche et enseigne selon ce que l'Esprit conduit. C'est le même patron, hein? On utilise encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le même modèle que Jésus nous a laissé. Si nous autres, de nos jours, nous utilisons le même modèle que Jésus nous a laissé, quel modèle vous pensez que les apôtres utilisaient il y a 2000 ans? Ah oui, le même modèle, effectivement. J'ai lu sur tes lèvres. Il dit la même chose. Fait qu'on trouve ce même principe être décrit jusqu'à la toute fin. Jusque dans le livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Apocalypse 1, ton premier chapitre, premier verset. Chapitre 1, verset 1. Elle dit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a quoi? Attester la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait dans la synagogue? Okay. Il a lu. Et ceux qui entendent, qui écoutent la parole de la prophétie et qui la gardent, qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc, combien qui lisent? Heureux celui, singulier, un. Mais il n'est pas tout seul, semble-t-il qu'il y en a... sont là, qui écoutent. Il ne lit pas juste que pour lui-même. Apocalypse 1, 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie, donc il ne lit pas que pour lui-même. Il y en a un qui lit et plusieurs sont à l'écoute de celui qui lit. Question ici. Est-ce que ce n'est pas le même principe que lorsque Jésus est entré dans la synagogue à Nazareth? C'est la même chose. Même principe. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi quelque chose de semblable. Dans Néhémie 8. Là, vous avez le choix, vous pouvez suivre, vous prendre des notes, puis vous regardez plus tard, hein, comme vous voulez. Mais Néhémie 8, verset 1. Ça dit, alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y avait de l'unité. Tout le peuple s'assemblait comme un seul homme. Sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, qui est quoi? Qui est la parole de Dieu, prescrite par l'Éternel à Israël. Verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée,
composé d'hommes et de femmes, puis ils étaient tous rassemblés comme un seul homme. Il y avait de l'unité. Et de tous ceux qui étaient capables de quoi? De l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux. Tu sais, quand tu regardes ta montre à midi, le culte est fini, là? Du matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et tout le peuple fut quoi? Attentif. Il parlait en commençant de attentif au message. Donc, tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Voyez-vous, le modèle établi depuis longtemps était le même que Jésus suivait dans sa coutume lorsqu'il prêchait dans les synagogues. Un qui lit, plusieurs qui écoutent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent, ceux qui écoutent la parole qui sort du livre que Dieu nous a laissé, que Dieu nous a prescrit, la Sainte Bible. Proverbes 22, 28 puis 30, 23, 10 disent la même chose. Ça nous dit de ne pas déplacer la borne des anciens. Il y a certains modèles établis et approuvés, et je dirais éprouvés, de notre Dieu. Mais il n'y a pas mieux que les hommes et leurs hommeries pour modifier les concepts qui existent déjà et qui étaient déjà solidement approuvés par notre Seigneur. Les traditions des hommes viennent trop souvent déplacer la borne des anciens et modifier une bonne formule que le Seigneur nous a laissée, comme mon père disait souvent. Oh, il disait encore ça. Quand tu as une bonne recette, change-la pas. Plusieurs ignorent ou font fi des constances des Écritures, comme je disais tantôt, parce que ça, tu vois un patron, un tableau qui se peint. Ce qui les amène parfois à avoir une mauvaise conclusion doctrinale ou d'établir de mauvais concepts. Ce n'est pas tous les concepts qui sont mauvais, là. Donc, ignorer les constances peut vous amener à de mauvaises conclusions bibliques. C'est important de regarder les constances pour arriver à une bonne conclusion. Ou encore, ça pourrait vous amener à ajouter aux bonnes formules que le Seigneur nous a laissées. Et ainsi, ça peut faire en sorte que ça devienne de la tradition d'homme. Et je donne un exemple simple. Je peux vous donner un exemple simple? Parfait. Voyez avec ceux qui ont dit oui. Dans l'exemple, on a vu que Jésus, nous avons vu que Jésus, selon sa coutume, faisait un peu comme on l'a vu dans Néhémie. C'est vrai? Parfait. Donc, c'est un modèle qui s'est poursuivi jusque dans l'Apocalypse, ce qu'on voit. C'est ça la constance. Il y a comme un patron, il y a un modèle. Je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi, mais avez-vous comment ça a commencé? Ça a commencé par l'école du jour du sabbat ou l'école du jour du Seigneur, est-ce que vous l'avez vu? Pas vu ça. Attendez, vous n'avez pas vu ça. Vous avez manqué ça, vous autres. Luc 4, 16, vous allez le voir. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, il rentra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Ben, la raison pourquoi vous ne l'avez pas vu, c'est parce que c'est pas là. Ça ne commence pas par l'école du jour du sabbat ou l'école du jour du Seigneur. Fait que cherchez-les pas, c'est pas là, vous ne le trouverez pas. Puis, comprenez bien ceci, j'ai rien contre l'école du dimanche, là. Pratique courante dans des églises qui partagent une foi commune avec la nôtre. J'ai rien contre ça, là. Mais je trouve même certains bénéfices. On est d'accord, là. Mais ce que je trouve déplorable, c'est les gens qui choisissent une église en fonction du programme de l'école du dimanche. Ou des gens qui trouvent ça inconcevable dans une église qui n'est pas d'école du dimanche. Quand j'entends des pasteurs qui sont enseignants et qui devraient enseigner les Écritures selon la saine doctrine, dire que ça prend absolument une école du dimanche. Ma question est toujours la même. Tu trouves ça où, toi, dans la Bible, une école du dimanche? C'est drôle, j'ai jamais eu de réponse claire à cette question. J'ai eu des réponses, là, mais j'ai jamais rien eu de clair. J'ai eu des réponses sur des traditions, là, que, ben, c'est parti des traditions. Hein. Les seules réponses que j'ai eues
sont des propos hors contexte ou des réponses, mais sans aucun fondement dans les Écritures. J'ai eu bien du raisonnement logique, par exemple. Ça, j'en ai eu pas mal. La pire réponse que j'ai jamais eue, puis est ironique, ben c'est, ben, il ne faut pas déplacer la borne des anciens. Je dis c'est ironique parce que... mais c'est quoi? C'est le concept de la nécessité absolue d'une école dimanche qui vient lui-même du fait que quelqu'un, quelque part, a déplacé la borne des anciens en ajoutant l'école du dimanche à une formule déjà efficace de plusieurs milliers d'années. La formule était déjà là, puis ça n'existait pas, l'école du dimanche. Ça n'existait pas, l'école du sabbat. C'est la congrégation, la prédication. Donc, cette formule-là, elle-même, vient d'une coutume qui a déplacé la borne des anciens. Coutume selon notre Seigneur, qui rentrait dans les synagogues, prenait le rouleau, lisait, puis enseignait. Pas très populaire comme message. Soyons lents à se mettre en colère. Donc, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le genre d'affaire, justement, qui peut faire exactement le contraire de ce que ça dit dans Jean. Maintenant, je ne dis pas que l'école du dimanche n'est pas utile ou qu'elle est mauvaise, absolument pas. Je voulais vous donner un exemple. OK? Je ne dis pas, je dis surtout pas que nous devrions abolir l'école du dimanche non plus. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, s'il vous plaît, de grâce, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et ne pensez pas au-delà de mes pensées. Mais je dis qu'elle est certainement issue des traditions des hommes. Et ça, j'ai raison. Et que nous ne devrions pas le voir comme étant une absolue nécessité à notre croissance spirituelle, parce que ce n'est pas vrai. Et ça n'a pas de fondement biblique. C'est comme si l'école du dimanche devrait être plus académique que la prédication. Habituellement, ce que ça finit par faire, c'est de pousser les hommes à devenir des érudits parce qu'il faut qu'ils enseignent l'école du dimanche. Donc, je vais aller 3 ans au collège, puis là, où je vais avoir un doctorat, je vais être rendu docteur en théologie. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, mais ça pousse les hommes à aller là. Et éventuellement à hyper-intellectualiser les Écritures et à en oublier la simplicité de Christ. C'est ça que ça fait. C'est malheureux. Parce qu'on devient trop connaissant. Ça me fait penser quand Jésus a parlé à Nicodème. T'es docteur d'Israël, puis tu ignores ces choses. T'es tellement rempli de connaissances, Nicodème, que t'es pas capable de comprendre les choses de base que Dieu a un fils. Puis quand il rappelle ça à Nicodème, c'est exactement ce qu'il est en train de lui dire. Il est en train de parler de ce qu'on voit dans les Proverbes, parce que ça dit, moi, je suis pas le plus intelligent des hommes. Il y a une place où ça dit ça, mais il dit, connais-tu le fils de Dieu? Il est où? Il dit, Nicodème, t'es enseignant, t'es docteur de la loi, puis tu ignores les choses de base. Parce que t'es rendu trop connaissant. La simplicité de Christ. On est rendu là, diplôme, doctorat, 3 ans de collège pour avoir un enseignant. Quand Jésus a pris des apôtres, du commun un peuple, du monde qui pêchait du poisson, pour confondre la sagesse des sages. Bon, sur ce sujet, j'ai déjà demandé à quelqu'un qui se prétendait, je dis bien se prétendait être un enseignant, j'ai dit, quand, parce qu'on parlait justement de l'école du dimanche, puis lui, c'était comme une absolue nécessité, puis j'ai demandé où tu prends ça dans la Bible, fait qu'on tombait dans les raisonnements. J'ai fini par poser une question, j'ai dit, quand tu enseignes, là, l'école du dimanche, peux-tu t'empêcher de prêcher? Ah non, il dit, c'est impossible. C'est parfait, c'est OK. Maintenant, j'ai une autre question pour toi. Je dis, quand tu prêches, peux-tu t'empêcher d'enseigner? Il dit, ben non, quand je prêche, la prédication, ça l'enseigne. Conclusion, tu fais 2 fois la même chose. Donc, tu fais 2 cultes. Donc, au premier, tu dis, c'est l'école du dimanche, puis l'autre, tu dis, c'est le service. C'est la même affaire. Bla, bonnet, bonnet, bla, bonnet, bla, bla, bonnet. Là. Je
J'ose croire que chacune des prédications que j'apporte sont quelque peu académiques, que vous apprenez des choses pour avoir le témoignage d'une sœur récemment dit. On apprend plus depuis un bout de temps. Pourtant, il n'y a pas d'école dimanche. Mais si ça vous nourrit, gloire à Dieu. Donc, j'ose croire que chacune des prédications a son petit côté académique, puis que ça l'enseigne. J'ose croire que je le fais selon une saine perspective, selon ce que le Saint-Esprit me donne, selon des éléments d'une saine doctrine. Ça n'a pas dit que ça fait tout le temps l'affaire de tout le monde. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça a un fondement? Est-ce que c'est quelque chose? Encore une fois, l'école dimanche, oui ou non? Moi, je dirais que oui. Mais l'école du dimanche, une nécessité dans les églises ou dans cette église, une absolue nécessité pour la croissance ou la foi ou le discipulat? Non, je dirais que non. Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Et de s'attaquer à un gros sujet, l'école du dimanche. Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, référence sur Matthieu 11:15, ça vous tente, mais dans l'Apocalypse 3:6, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église, ce que l'Esprit dit aux Églises. Dans Jacques 1, l'apôtre nous dit engendrer selon la volonté par la parole de vérité. Verset 18. Que tout homme soit prompt à écouter. Verset 19. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Verset 21. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Verset 22. Si quelqu'un écoute la parole. Verset 23. N'étant pas un auditeur oublieux. Verset 25. Écoute, parole, écoute, écoutez, prompt à écouter, écoute, parole, écoutez. Que celui qui a des oreilles pour entendre, heureux celui qui lit et qui entend, ceux qui entendent, Jésus, selon sa coutume, lit, prêche, les autres écoutent. Quand vous venez ici, vous venez faire quoi? Premièrement, accomplir la volonté du Seigneur, car c'est ici que vous allez trouver un moyen justement de communication que le Seigneur a établi pour vous autres. Sinon, c'est qu'on fait ici. Dieu va vous parler à travers la prédication, c'est sûr. Encore une fois, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. S'il y a juste 20% qui est bon, laisse faire le reste. Prends ton 20%, va-t'en chez vous, puis nourris-toi avec ça. Vous venez donc, et on le souhaite tous, écouter quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit dans le message qu'il vous livre. Vous venez apprendre des instructions pour votre vie, pour votre perfectionnement, parce que c'est pour ça que le Seigneur a établi des gens qui enseignent, pour le perfectionnement des saints. Et soyez saints car je suis saint, c'est l'Éternel. Oui, mais je sais que c'est le message qui sort de ma bouche, parce que je suis le messager. Et celui qui est en contrôle, j'ose le croire, c'est le Seigneur, par le Saint-Esprit. Que parfois le message vous fâche ou peu importe, de quelle façon celui-ci vient vous atteindre, écoutez à chacun des messages comme étant celui que l'Esprit-Saint a pour vous quand il veut vous parler. C'est un moyen de communication de la part de Dieu que de venir à l'Église, s'assembler et entendre un message. Quelque chose de Dieu, quelque chose pour vous autres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit-Saint dit, puis qu'il soit heureux de pouvoir prendre part à ses enseignements. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Demandez à Frère Bélisien de fermer le culte en prière. Merci, laisse encore une fois de l'occasion pour te...